Et les voilà qui s'élancent pour ce prix d'Alsace. 1100 mètres à couvrir dans ce tiercé quarté quinté plus. Pour l'instant, il y a trois chevaux qui font bande à part à l'extérieur. Trois chevaux qui sont emmenés par Mutrafort avec l'Erahim, avec Laris également. Et le numéro 16, Marad. Alors que quelques éléments qui étaient dans le peloton à l'extérieur vont maintenant les rejoindre. Notamment le numéro 6, Castle Dream, ainsi que le numéro 13, Areia. Ou encore le numéro 8, Coco City et les années folles. Le reste des concurrents qui vient côté tribune, emmené par Glicourt avec le numéro 2, Liznava, Narab également, qui n'est pas loin des premiers. Hopless est en quatrième position et vient notamment avec le numéro 2, George Prince, alors qu'il passe devant les tribunes à cet instant. Il semble que le peloton qui vient à l'extérieur est pour l'instant le meilleur, sous l'impulsion de Mutrafort avec Castle Dream, et on régit maintenant à l'extérieur, côté corde, pardon, avec Glicourt, avec également le numéro 10, Liznava, alors qu'Hopless également, ou encore George Prince, tente de revenir. Castle Dream qui a le meilleur, se relançant maintenant avec les Raïm qui l'attaquent, alors que les années folles est lancée. Laris également de plus en plus vite, accompagné par le numéro 16 de Marad, mais également par George Prince qui vient maintenant en pleine piste. Orangefield également qui apparaît maintenant. Laris pour la victoire avec les années folles. Laris peut-être avoir à la photographie avec Orangefield qui venait complètement à l'extérieur. Les années folles également n'est pas loin, peut-être troisième.